بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما اطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارطاج ديال الفيديو لكي تعم الفائده على الجميع. وشكرا، شكرا جزيلا لكم. بونجور ا توس، بونجور ا توت، بونجور ا تو لي فان دو ما شين. جيسبر كوم دابيتود كو فوز الي توجور تري 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 بيان. ما بريزونس كوم دابيتود سي بور فو بريزونتي اون نوفيل لوسون دو ماتيماتيك. سي سي لوسون ديستيني اوز ايكوليي et aux écolières de la première année cycle collégial. Donc soyez attentifs et soyez bien. Mathématiques, première année cycle collégial, chapitre 7. On est dans le chapitre 7. Les droites dans le plan. Les droites dans les plans. Bimana al-mustaqimat, al-musa, al-mustawa, parallélisme, tawazi et perpendicularité. J'applique le cours, page 113. Alors, nous avons un seul exercice, numéro 1. Complétez la figure suivante. Complétez la figure suivante. Voilà la figure. Alors, tracez la droite AB. Tracez la droite AB. Donc, nous avons la droite L. Il passe par le point B, par le point E. Nous avons ici A, nous avons E. Nous avons F. Alors, la question, tracez la droite AB. On va tracer la droite AB. B, comment sont les droites L et AB? On va expliquer comment sont les droites. Tracer D, la perpendiculaire à la droite AB. On va tracer la droite D, perpendiculaire à la droite AB, qui passe par le point A. Qui passe par le point A. Comment sont les droites D et L? On va expliquer ça. Placer le point M de la droite AB qui soit aligné avec EF. On va mettre le point, on va le placer. Troisièmement, petit a, citer les droites circonte avec la droite EF, on va expliquer ça. Est-ce que la demi-droite FE coupe la droite D? On va répondre à cette question. Donc, voilà, premièrement, la figure. Nous avons la droite L, elle passe par B et E. Alors, on va répondre aux questions. Voilà la première. B, tracer la droite AB, donc on va tracer la droite AB. Perpendiculaire, tracer la droite AB, donc voilà la droite AB, elle passe par le point A, donc voilà, voilà la droite AB, hein? La droite AB, elle passe, hein? Par le point B et point A, d'accord, tracer la droite AB, comment sont les droites L et AB, donc voilà la droite L, et voilà la droite AB, comment ils sont-ils, ils sont perpendiculaires, voilà, elles forment quatre angles droits, hein, ils sont perpendiculaires. Tracer la perpendiculaire à la droite AB. Voilà la droite AB qui passe par A. Alors, on va tracer la perpendiculaire à AB. Donc, on va, avec l'équerre, on va former un angle droit, voilà. Et on va tracer la droite. Donc, voilà la droite D. Voilà la droite D. Elle est perpendiculaire avec la droite A à B. Et en même temps, elle est parallèle avec L. Bien. Comment sont les droites D et L? Alors, voilà la droite D et voilà la droite L. Elles sont parallèles. Pourquoi? Parce que D, elle est perpendiculaire à AB. Et parce que L, elle est perpendiculaire à AB. Donc, on dit que L et D ne sont pas parallèles entre eux. Ils sont parallèles entre eux. Bon, voilà. Comment sont les droites D? Elles sont parallèles. Placez le point M de la droite AB, voilà la droite AB, qui soit alignée avec EF. Donc voilà EF, voilà F.
Et voilà E. Donc, quel est le palmo? On va tracer la droite qui passe par E. Voilà. Il faut bien la demi-droite. Donc, voilà le point M. Hein? Le point M, il est aligné avec EF. Il est aligné avec EF. Troisièmement, si tu es le droite, c'est compte avec la droite EF. Donc, où est la droite EF? Voici la droite EF. Donc, voilà. Donc, c'est la droite EF. Hein? La demi-droite, ce n'est pas la droite, hein? Pardon. Donc, la demi-droite, voilà. Il est fermé. Ici, il est ouvert de l'autre côté. Donc, c'est une demi-droite. Donc, l'origine, c'est F. Il passe par M, il passe par E. Alors, la demi-droite, FE, est-ce qu'il coupe la droite D? Non. Est-ce qu'il coupe la droite D? Non. Il ne coupe pas la droite P. Pourquoi? Parce qu'il est arrêté ici. D et L sont perpendiculaires. D et L, est-ce qu'ils sont perpendiculaires à AB? Est-ce qu'ils sont perpendiculaires à AB? Oui, ils sont perpendiculaires à AB. Voilà AB. Donc la droite D elle est perpendiculaire. La droite L elle est perpendiculaire. On déduit qu'ils sont parallèles. Oui, ils sont parallèles. Hein? De droite perpendiculaire à une droite sont parallèles entre eux. عندنا هذا مستقيم هذا مع هذا مستقيم عموديين مع هذا دروات دونك هما راهم ils sont parallèles entre eux dans le reste on insiste dans le reste de l'exercice on insiste sur les notations des droites et demi droites donc on va voir ici la droite EF coupe les droites L et D la droite EF voilà la droite est-ce qu'il coupe L voilà L et D. Non, il ne coupe pas. Pourquoi? Parce que c'est une demi-droite. Hein? C'est une demi-droite. FE. Et ça, c'est E. Alors, si on a dit la droite EF, ça veut dire il coupe, il se coupe ici. L et D, oui, il coupe. La droite qui passe par EF, il coupe. La droite D dans un point. L et EF, il se compte avec L. EF, il se compte avec L. Voilà. D'accord. La demi-droite FE. La demi-droite FE. Donc, là, j'ai la demi-droite. Donc, la demi-droite, il y a la vie. La demi-droite FE ne coupe pas la droite D. Oui, il ne coupe pas la droite D. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tracé tout entier. Il n'est pas tracé tout entier. Il a la demi-droite. Il a l'origine rien. Il ne peut pas dépasser F. Donc il ne coupe pas D, il coupe L. Il coupe L. Pardon? Bien, alors voilà, c'est juste, nous avons ici la demi-droite. Hein? Il est fermé au point E, il est ouvert au point E. Donc, il ne coupe pas la droite D. Voilà. Voilà la demi-droite. Est-ce qu'il est second avec D? Non. Il n'est pas second. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.